bienvenue dans ce 50e épisode de coopération avec Martin. Hello, hello. On a eu un petit souci au dernier épisode, donc du coup on avait dû relancer, vous avez vu ça à la fin de l'épisode. J'ai passé mon tour du coup, hein, je l'avais fini. Et du coup ce sera au tour de Martin qui va refaire le même mouvement qu'il avait fait. Parfait. C'est-à-dire venir m'aider. Enfin venir se mettre en sandwich. On va commencer par le truc. On va commencer par la bataille. Bon écoute, je vais la faire en auto. Puis si je perds un peu de troupes. J'ai peur que tu perdes beaucoup de troupes en fait. On verra. Voilà, ça va. Voilà, c'était tueur. Ouais. Martelier quand même, roi argent. Voilà, c'est pas grave. Bon après le reste, ça XP. J'ai failli occuper. C'est pas très grave. De toute façon, il y a un tueur d'élite et puis un martelier de renom que je joue gratos. Ouais. Enfin, honnêtement, j'aurais juste à recruter un tueur par martelier, ça me prendra 4 tours, c'est pas très grave. Hop. Maintenant, ici. On avait dit que je mettais au-dessus de l'œil de la panthère. Puis moi je vais commencer à économiser pour me construire les grandes pyramides, mais bon, pour l'instant j'ai pas encore la thune. Ah. Martek, je vais pas la level up. Il y a celle de Nagash qui m'intéresse quand même relativement bien, la chambre forte. Hein. Plus 30 pour toutes les armées. Hein. Massif de granito monte la garnison aussi, ça fera pas de mal. Je suis en croissance là ? Non, je suis en défense en mêlée, faut que je change mon ordre ici par contre. Prochain tour. Je fais un petit peu le tour, voir ce que je peux construire. Vas-y. Des bâtiments afriques, c'est bien. Parce qu'on en a jamais assez. Mon good badge, j'ai de la peine à maintenir l'ordre public. Hein. Ici, alors qu'est-ce que j'ai? Des arquebusiers, des bouts de fer. Ok, de toute façon, j'ai plus de thunes, donc voilà. D'accord, d'accord, bien. Ici, là, tac. Un Tan qui a pris un niveau. Je vais pas le mettre en recul ancestral, ça sert plus à rien. Faire un petit tour diplomatique. Ouais. Personne qui m'aime évidemment, à part les nains. Pas de confédération possible encore ? Ah, ils veulent pas. Je vais leur faire un petit cadeau. Bon, bah ça va être à toi. Pas de traces du chaos, c'est incroyable. Hein. Putain, les contes vampires, ils sont jusqu'à la frontière d'Anorska. Oh putain. Ils sont à côté de Prague. Volgograd. Putain, tu l'as dit. Bon, Prague, il y a du à prendre comme. Bon, après, de toute façon, ils vont être. Ils vont être à la frontière. Les F-Sylvans sont jusqu'à Tobaro. Ouais, ça, on avait. Ça j'avais vu, ouais. Justement. C'est pour ça qu'ils sont. Ils sont sortis de leur. Putain, ils ont une grosse armée en plus à Tobaro. Hein. Ils ont pas mal de territoire, les F-Sylvans, quand même. Je serais curieux de voir la Bretonnie, hein, parce que du coup on a aucune visu sur la Bretonnie. Ah merde, putain. Ils ont pas avant. Ah putain, ils attaquent le clan de Groot, je sais pas quoi faire. Ah non, tu les tues, hein. Qui ? Alors, je brise l'alliance, tant pis. Tant pis pour la Confédération. Oh là, mais t'aurais pu que déclarer la guerre aux elfes sylvains, ils sont quand même relativement loin. Non, ça me fait chier. Putain, ils sont agressifs, hein. T'as vu, ils ont déclaré la guerre à la Bretonnie, au clan. Ah, mais c'est le jeu des alliances, ça, c'est le jeu des alliances, ça. Ah, oui. Bon, du coup, ils vont aller prendre de plus en plus de territoire, là. Non, parce que Zef Sylvain, une fois qu'ils sont occupés du clan Groot, ils débarquent chez les nains, puis ils chez les nains, donc j'ai pas envie de les taper plutôt. Ah, je t'avoue qu'en plus, c'est un peu chiant pour toi, vu leur archerie, là. Ma foi, tant pis. De toute façon, le clan Groot m'aime encore plutôt. Ouais.
Bon, ça se détériore, tant pis pour la Confédération, c'est pas grave. De toute façon, si les F-Sylvains viennent les attaquer, ils vont se faire latter. Ah bah c'est sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Oh bah ouais, comme prévu. Ouais. Alors ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont occuper ou mettre un sac? S'ils occupent, je suis pas bien. Qu'ils vont Ils ont occupé, putain, je suis pas bien. T'es pas bien, mais si c'est bon. Bah non, ça veut dire qu'ils peuvent aller sur... Eh non, moi je suis juste à côté, je vais attaquer dès que c'est mon tour. T'as la range? Oui. On verra. Ah non, peut-être pas en fait. Alors vous voulez la payer? Vous allez me payer. Modéré 1300, mais ça me suffit 1300. Ah non, je crois pas que j'ai la range en fait. Bah oui, c'est pour ça que ça va être chaud pour ma ville. Je pense que je vais en jeter. J'aurais dû me déplacer plus haut. À la limite, ce qu'on peut tenter, c'est que toi, tu prends l'œil de la panthère, tu la rases. Moi, je mets en embuscade, puis on essaie de les attirer. Ça peut se tenter, je pense, non? Bah vas-y, ouais, go. Rase-la. Ouais. Moi, je me fous en embûche au prochain tour. Et on les chope comme ça. On verra si ça prend ou pas. C'est pas garanti, mais ça se tente. Ça peut le faire. On a dit qu'on allait là-dessus. Donc... Oh, j'aurais dû prendre collection de Vaskenop un peu. Ok, donc 32 tours avant la prochaine. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proclamer quand même. Alors, faut voir un peu ce que j'ai. Je vais mettre un tout petit peu de temps. J'ai combien de temps là? De 4-4-25. Donc, proclamation de la 6ème dynastie, réserve du vent de magie dans toutes les armées plus 5, construction de moins 10%, capacité de recrutement plus 1, ça c'est vraiment top. Coût de construction moins 10% pour les murs, succès d'une embuscade et mise à sac, ouais. Coût de construction moins 10, croissance plus 10, revenu, ouais. Et portée de déplacement, coût de construction et revenu du commerce, putain ça rend pas mal. Hein. Portée de déplacement plus 10%, on va prendre ça. On va prendre ça, puis après on partira sur un seigneur légendaire, je pense. Avec les Vaskanop. Mmh. Ou alors je pars sur le craft aussi, hein. J'ai assez pour crafter, on avait dit. C'était l'arme. Je peux la fabriquer. Attaque plus 8, puissance des armes plus 10%, défense plus 8 et bannissement. Ouais, on va la fabriquer. Ouais, vraiment trop bien, quoi. Et on va l'équiper. Donc je pense qu'on va l'équiper sur lui. Lui donner pour l'instant construction on va lui laisser comme ça hop donc lui il va être chargé d'aller sur El Calabad tu la prends mais tu remontes direct sur Bel Aliad ouais et là on dégage on va aller préparer l'assaut sur le mont Vautour. Bel Aliad, je veux ça, t'as enlevé les bâtiments en construction en fait. Je vais les laisser, on va. Je vais faire un, ouais, je vais faire un pari, mais ouais, je vais faire un pari, je pense. Ouais, ils ont pas la range. Donc au moins, j'aurai la garnison niveau 2. Et puis, ben là, du coup, on va aller attaquer. Ouais, sur une auto. Ah, tu vas perdre ton géant d'os. Je vais perdre un archer, je pense. Même pas. Même pas. Bon, ils sont moins méchants, les gars. On va occuper. C'était une ville niveau 5. Il y aura une pyramide. Il y a ça. Ordre public, croissance plus 30, revenu direct plus 100. Ça, c'est vraiment de la bombe, ça. Ok. Oh, j'ai les issues à petit de renom. Ah, bien. Chez Arcane. Ah, Arcane. Non, bah, d'apprendre chez n'importe qui. Donne-moi Arcane. Ouais, je vais prendre ça d'abord. Ouais, je vais les prendre chez Arcane parce que du coup. Tu chevauches. Non, je vais juste attendre un peu. Je vais aller faire le transfert des armées et je vais. Plutôt que d'enlever des unités d'Arcane qui a aucune unité à enlever, je vais attendre. Ouais.
Je vais pouvoir prendre Antoche aussi au prochain tour. Là, je me régène, je vais faire déplacer cette armée là. Et du coup, on est bon. Là-dessus, on est ok aussi. Et bah là, on va prier du coup hein, pour Belaliad. Parce qu'après, ils peuvent aller sur les temps de désespoir, en fait, ils peuvent m'enchaîner quoi. Et niveau recrutement, ça m'affectera quand même. Faut espérer qu'il les joue pendant l'escale. Ok, remplis les mises, c'est normal. Alors, technologie. Presque c'était intelligent, lui, à lui, il a déjà le bannissement, lui, en fait, ça me fait deux bannissements dans la même armée. Ouais, bon, après, il y en a un qui coûte rien. Donc... Moi, j'ai pas tir sur de l'intégrité maintenant. Quand même mieux. Torvin va rentrer. Toc. Ah, il faut encore 3 tours pour que je puisse recruter mes marteliers. Ouais, ça va. Bon, c'est pas grave, en attendant. Un tueur et un martelier en local. Putain, 6 tours quand même. Après, je serai ready. Après, ici, triste mine, on va le faire avancer. Alors, c'est 25% l'embuscade. Hein. Dégâts à distance plus 36, putain. Moins de PV, moins de complément par contre. Ah non, mais attends, mais je regarde quoi là? Toc. Ah oui, non, mais d'accord. Hein. Il va continuer de monter. Alors toi tu vas aller attaquer du côté d'ici, tac. Toi tu iras à Karagdromar. Ils sont anti-infanterie. D'accord, donc en fait ils sont moins bons en attaque à distance, mais ils ont briseur de bouclier et anti-infanterie. Mais ils ont plus le perse armure. Ah si, ils sont quand même perse armure, si c'est bon. C'est juste qu'elle apparaît pas. Ouais. Briseur de bouclier, moins 24, hein, je peux les mettre sur des... putain, c'est pas mal ça. Hein. Vraiment pas mal. Ah bah niveau 4, ça fait plaisir. L'élu ou du gars du chaos avec bouclier, c'est pas mal. Ok, c'est bon. Là, ça sort bien. Oh, ça là, c'est over méga protégé. Les mecs, ils peuvent pas s'approcher. T'as des brises fer en garnison, quoi. C'est juste incroyable, c'est monstrueux. De brise fer en plus, ouais, Myrmidans, des thunes et du commerce. Oh, j'ai plus de thunes. Non, mais je peux pas monter ça à la place. Non, je peux pas. Bon, vraiment que j'axe mon développement commercial aussi parce que j'ai quand même pas mal de partenaires. Et... Ouais, alors, Karak Kadrim. Attends, ils vont même plus rejoindre la Confédération, ces enculés. Le clan en gros dit même plus du tout. Sinon, ouais, je suis trop content, tu fais personne qui m'aime. Ça, c'est un peu le défaut du jeu, une fois que t'arrives dans le fin de game, t'as personne qui t'aime, quoi, c'est un peu chiant. Ouais. Bah, du coup, je pense que ça va gentiment être à toi. Là, j'ai bougé, là, j'ai bougé. Mon mec au nord, encore. Où est-ce qu'il est? Il est par là-bas. Je suis là où peuple chaos, à peu près. Où? Là où peuple chaos. Mais où? Bah, au nord, là où il pop. À côté du camp des Bersonlings. Ah, ah oui, d'accord. Là, oui, pop, il pop juste en face. Bah, ouais. Toi, tu peux avoir un petit aperçu. On aura un héros qui est juste là pour voir ce qui se passe. Carrément. Bah, j'hésitais à aller trouver les elfes noirs aussi. On a tout le monde. Ouais, ils vont me déclarer la guerre. Qu'est-ce que t'en sais? Bon, après, tu peux aller découvrir Katep aussi, hein. Tout à fait. Peut-être qu'il m'aimera, hein, comme c'est trop. En fait, je voulais faire un Oscar, aller dans les Asphodel, puis redescendre, en fait, puis voir un petit peu ce qu'il y a, puis éventuellement forger de nouveaux accords commerciaux. Ouais, donc ça peut être intéressant pour toi aussi.
moi, un accord commercial, ça me vaut 60 ou 70 de thunes. Ouais, d'accord. Puis pourquoi développer des accords commerciaux quand t'as un mécène? Oh, bon, mécène, il a plus de thunes. Je suis plus qu'à 20 000 par tour, c'est chaud. Bon alors, est-ce que je vais me faire avoir? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas, mais en tout cas, ils m'ont pas attaqué. Ou alors, ils ont fait le tour, je les ai pas vus. Ah oui, exactement ils ça. Ils n'ont pas bougé. Si, si, ah, ils n'ont pas bougé, ouais. J'ai cru qu'ils remontaient avec le... Bah écoute, très bien, restez-y. Hein. Alors, moi, je vais les assiéger, hein, ça va être réglé, tu vas voir. Tu... Ouais, non, pas besoin de moi, si. Bah, vu leur armée, puis vu la mienne, je pense pas, mais c'est jamais. Non, attends. Ah, il y a Itza qui déclare la guerre à l'Auterne. À qui? À l'Auterne? Et apparemment, il y a Exoatl qui est allié avec It. Ah non. L'Auterne doit être allié avec Exoatl. Ouais. Ou l'inverse. Possible. Ah, ils ont démobilisé leur armée ici. Alors. Ouais, mais je pense. Alors, ça se fait en auto, ça ou pas? Non. Bon, c'est pas la même. Ça se fait pas en auto. Tu me donneras la cavalerie? Ouais. Allez. Enfin, ça se fait en auto, mais. Enfin, c'est chaud quoi. Ouais, d'accord, ouais, ok, je vois. Je vais essayer de choper leur ranger. Essayer de les trouver. Du coup, si tu leur annies leur armée et que moi aussi je vais aller les assiéger tout de suite avec les deux armées que j'ai, comme ça je les empêche de recruter. Et dès que t'arrives, je te lève le siège. Tu vas à mon tour, c'est une ville qui est bien up. Hein, tu... Non, non, je l'assiège pour pas qu'ils recrutent. Ouais, ouais, et exactement, dès que t'es là, je lève le siège et je te le laisse quoi. Ouais, exactement. Après, s'ils m'attaquent, ben, je les laisse m'attaquer, comme ça ça pète la garnison, tu vois. Mais... Ah ouais, tout à fait. Alors, la cavalerie, elle est où? Tu la mets à sac. Non, non, bah non. Ça va la réduire, ça va réduire de 1 le truc. Ouais bah tu veux faire quoi? Tu... T'as pas le choix. Le cube tu mets à sac ou tu rases hein. T'as pas 30. Ah oui, ouais, je mettrai ça au pire. Je t'ai laissé ça, du coup de toute façon... Oh, normalement tu devrais le rouler dessus avec le... Ouais là j'ai deux géants quand même, ça devrait être... Ah ça va, café. On va mettre un de chaque côté. Salut ça. On va mettre eux ici. Alors ça va être la chair à canon ça aussi. On va le, on leur donner le groupe 1. C'est ce qui va s'empaler sur le nain. Hop, toi ici. Et toi ici. T'as pas mal de vent de magie en plus, ça c'est cool. T'es prêt? Tu veux. On va faire attention, on va mettre des runes aussi. Puis des runes, ok, pas mal. Ici. Ouais, en premier. Alors, si on va dévancer les vents de magie, on va garder les vents de magie pour. Moi, je vais simplement faire le tour en fait. Non, pas comme ça, les gars. Comme ça, plus large. Ouais, une petite charge au flanc là. J'ai bien éclaté là. Je vais chercher les rangers là. J'essaye de zoomer un peu pour vous. Qu'est-ce que tu fais toi? Allez, recule. Ouh, oh, qu'ils se sont fait violer. Oh là là, c'est magnifique. Allez. Lich Beast!
Ça va avec la frontline? Quelle archerie, ils ont rien compris. Une charge, mais violent. Bien pour prendre le fire et ta cavalerie. On va les pousser au maximum aussi. Ah, fais gaffe, tu tires sur ma cavalerie avec, je sais pas quoi. Ah. C'est géant d'œuf. Ça y est, ça pique. On va poursuivre un maximum les longues barbes et tout ça. T'as perdu quelque chose ou pas? Rien du tout. Enfin, moi j'ai perdu plein de trucs. Hein. Ah ouais? J'ai perdu 4 Ushiati, j'ai perdu un scorpion. Sérieux? Un géant. Ah merde. Mais non, tu rigoles ou quoi? Les nains ça croustille. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu m'as fait peur, je me dis aussi. Hein. Là. Ah, oh bah les échappes font plaisir. Hein. Ah ouais, carrément. C'est bien, ça va me faire XP un peu cette armée aussi. Ils ont pratiquement tout perdu. Bah ils ont tout perdu, c'est un assaut de garnison. Ah bah oui, forcément. Les gens ont fait un bon taf aussi. T'as la cavalerie, t'as fait un bon taf aussi. Ouais, la cavalerie, elle a... Ah, les rangers, ils ont rien fait. Non, pas des masses, hein. Les tueurs, ils sont fait focus par la cave, enfin les géants, ils se sont fait éclater. Ouais ouais, sans armure, c'est clair. On a même pas eu le premier buff. Ah ouais? Non. Ah, comme quoi, c'était express. Hein. Bon, en même temps, c'était une garnison. Voilà. The day of awakening comes. Je veux venger. Occupy it in my name. Take it all. Sack it. Move it. Shatter their bones. Attend your king's needs. Top. Hop, nickel. Donc province sécurisée, on va booster la croissance hein, tant que la tour noire elle est pas niveau 5. Ici on est bon. Ok. Ah mais j'ai 3 armées du coup pour tomber sur le mont vautour. Putain les pauvres. Du coup vous allez vous. Ah putain ils sont hop. Ah putain. On va rester comme ça. Il a fait ton perso là, ça c'est bizarre. Ils sont pas mal ces cavaliers de Nekara quand même. Pour du tier 2, c'est valable. Les cavaliers de Nekara pour du tier 2, c'est valable. Ah oui, c'est du tier 2, ouais. Ouais, non, c'est bien. C'est correct, hein. Bon, je suis un peu mouché par contre. Ok, donc moi de mon côté, c'est bon. Itza, reviens me faire chier. Donc j'allais dire qu'on est. Ah, il me faut 200 Vaskanov, donc on peut pas pour l'instant. Garazakara qui est niveau 5, ça fait plaisir. Ah. Là, on va commencer à y aller. Qu'est-ce que je vais construire? Alors ça niveau 5, c'est clair et net. Ça niveau 5 aussi. On va partir c'est... là-dessus quand même. Résistance pour les géants d'os et attaque en ville pour les géants d'os. Dégâts des projectiles pour les archers squelettes et les cavaliers squelettes. Pff. Ça me fait chier, c'est juste pour les géants d'os quoi. Est-ce que je me ferais pas un petit Necrotect hein?
On va faire un petit nécrotecte avant. Il y en a pas un qui me coûte que de la thune par contre, ça serait plus cool. Prêtre liche, prince des tombes, putain. Ah, je l'ai pas celui. Oh là là. Bon bah on va passer sans masque canap dans un nécrotecte. Y a pas intérêt que je le perde le nécrotecte. Hein. Ok, donc du coup de ce côté là c'est bon. Putain, ça se tourne toujours. Hop. Moi ensuite ici. On va aller les finir eux. Ouais, t'as mis bien. Ouais, il fuit. C'est sûr. Non, je suis. Peut-être la range normalement là. Non. Je l'ai pas. Non, je vais me mettre en. Ah. Je vais même pas la range, je vais me mettre en embuscade. Donc je vais me revenir. Je vais revenir dans ma cité et à la limite, ce que je vais faire, c'est. Ils ont quoi comme armée? Ouais, ils ont de la merde. Donc du coup, je vais. Hop. Avancer celle-ci. On va attaquer les unités au cas où. De toute façon, il prend de l'attrition en plus, donc là, tu vas vraiment lui faire mal. Hein. Échec. Ouais. Là. Ok. Et côté source de la vie éternelle, on s'en fout un peu. Alors, l'ordre public est un peu chier là, par contre. Hein. Après, Noumas, j'ai une petite guerre, disons, sympa, mais faut pas que je fasse le con. Je pense qu'on va prendre le bonus d'ordre public. Hein. Ah, bah, la Norska ne t'aime pas. Hein. Ah ouais? Ouais, Trog, pas terrible. Hein. Ouais, je m'en fous complètement. Bon bah toi. Parfait. Ah bah toi tu vas te promener, hein, tu vas faire le tour de Norska, hein, comme on l'a dit. Voilà. Putain, regarde jusqu'où ils sont les fans Karstein. Va. Va tout au nord, là où il y a mon agent. Putain. Ils abusent hein, quand même. Moi, je trouve qu'ils abusent un peu là quand même. Hein. J'avoue, je sais. Comment c'est qu'ils sont venus ici? Avec quoi ils sont venus ici? Putain, les gars, quoi, faut. Les vampires partent souvent au nord, ça c'est clair, mais là, jusque là. C'est en vert pour toi ou pas? Non, c'est pas en vert pour toi là. Sort Traken. Attends. C'est possible que ça le soit, attends, on va. Je sais pas si c'est une colonie qui touche la montagne. Là. Non, non, c'est en orange. Ah, c'est en orange, c'est rouge, moi, je sais pas. Ah. Attends, parce que moi, si je regarde, qu'est-ce qui est bien pour moi? Moi, il y a les savanes, les montagnes et les terres désolées. En même temps, c'est normal que les rois des tombes qui vivent dans le désert soient en défavorable là où il y a de la neige. Ouais. Ça paraît un peu logique. Je comprends un peu, ouais, ouais. Ah non, faut que j'aille à Karaz, à Karak, moi. C'est le bâtiment. Pas que je dépense de trucs. Alors, ça c'est pour une priorité, ça l'est, ça l'est, et il n'y a plus de thunes. Là il n'y a rien, là il n'y a que dalle, là je peux mettre ça, hop. Mais ici je pourrais faire du commerce. Je produis de la poterie maintenant. M'en fous, je veux du vin pour ma quête. Ton vin, tu vas le mettre dans quoi? Bah dans un élixir de force pour pouvoir avoir t'as ma pas quête. De poterie pour mettre ton élixir de force, tu fais quoi? Tiens. Putain. Bon. Puis trop de balles, il y a la range ou pas? Ils sont à 47% de corruption chaotique, Sartosa, avec un coup de chance, avoir une rébellion niveau 5 qui va pop. Bon, il prend que du moins 3 par tour. Hein. Je vais la jouer. Et ouais, et on s'arrêtera là du coup. Voilà, on finit la bataille puis on s'arrêtera à la fin du tour. Finish une grosse bataille, c'est bien. Ouais, il faut réduire les pertes au maximum là, c'est sûr. Ouais. Je vais te filer tout ce qui tire. Alors tiens, prends tout ça. Tu contre-recules? Non, non, on est bien là. Je vais me mettre en première ligne, du coup, comme d'hab, t'avanceras bien dès qu'ils arrivent. Quand tu te recules là, tu te reculeras derrière mes tueurs. Thunderous. Hop. Et donc la vitesse 42 et 42 la même, d'accord.
Je crois que j'ai rien oublié. Les marteliers ici. Marteliers que je vais mettre. Enfin, je vais faire une ligne de brise-fer avec les marteliers et les tueurs. Ça, ici. Comme ça. T'es prêt? Ouais, ouais, je suis prêt, je t'attends. Parfait. Sans tu les laisses venir. Hein. Oui, oui, bien sûr. Ouais, il commence déjà à faire de la merde. Ouais. Ils vont dans le mauvais sens. Ouais, je vois ça. Je retrouve pas les longues barres là. C'est sexy tout ça. Oh, on va le chef bien, tranquillou. Alors, ça c'est beau ça. De quoi? Ah, tu verras. D'accord. C'est un morceau de corps de nain. Ah, ouais, d'accord. Par contre, ça a l'air dramé là. Ils sont contents, ils lèvent leur pioche. C'est quand même relativement gore quand même. Hein. Je vais quand même me rapprocher un peu, ne serait-ce que pour être à portée là. C'est vraiment sale. À ce point-là? Ah ouais. Il a plus de bras, lui il a plus de torse. Là il y a un torse. Il n'y a plus de torse. J'espère que cet épisode sera pas censuré. Ce sera un peu con quand même. Putain, il focus mais... Ah non, c'est toi. Ah, mais toi aussi, tu as le droit. Ah, c'était une tête de nain. Ah non, ça c'est un boulet. Je trouve que c'était une tête de nain qui avait buté. Ah, ça va commencer à picouiller. Par contre, je ne trouve pas les longues barres, putain. Ça me saoule. Bon, je vais avancer le reste. Quand même éviter de focus ça. Je vais avancer le reste, hein. Ils ont des boucliers, ouais. Il y a pas les... Ouais, les lumières sont touchées des focus. T'arriveras à avancer un petit peu tes archers pour mon artillerie qui se tirait. Tu veux que j'avance un peu? Ouais, l'artillerie. Ouais, tes archers, ouais. Ou tu peux le derrière, peu importe, juste que tu puisses tirer, en fait. C'est là, et t'arriverais à m'assister ici avec tes arcs-boulets et là aussi. Alors attends, c'est pris sur le flanc droit là. Alors où ça te dit? Là où j'ai encerclé en bleu. Ok. C'est des unités là. En plus, t'es bien placé. Tu vas tirer dans la volée ici. Tu vas tirer dans la volée ici. Oh, mais c'est bien que les arcs-là. Ouais, il va un peu se faire cramer quand même. Bonjour. Attention. Tiens. Ouh, les dégâts que tu vas pas faire.
Dans la belle bataille de la fin de l'épisode. Avec Eren. Oh, ce qu'ils sont en train de... Oh, ce qu'ils mangent ma gueule, quoi. C'est incroyable. Ça a l'air de plancher un peu. Ouais, ça fait Oh, les pauvres mineurs là, ils vont s'en prendre pas là. Ah, c'est horrible. Ah, j'ai presque de la peine, j'ai presque de la peine pour eux, quoi. Tu sais, ça doit sentir la viande brûlée quand même. Ah ouais, les poils surtout, les poils. Les poils, putain. Pour boucher à l'époque, je peux te dire que les poils brûlés, ça change la mort. Oh là là, je te jure. Ils ont tous fait des dégâts de fou, hein, quand même. Je vais les tirer un petit peu, quand même. J'ai pas de tueur, quand même. Bon, c'est bon. Ouch. De toute façon, c'est une bataille de garnison, hein, donc. Il y avait une armée, de toute façon, ils vont tous mourir. Bah, ça fait tête. Je sais plus si c'était dehors à côté ou bien dedans, donc du coup, en cas de manque d'eau, je vais faire. Tant que ça tire. Ouais, c'est bon. Bon bah du coup on va s'arrêter là sur cet épisode, donc j'espère qu'il vous aura plu. J'ai fait mon tour quand même. Ah oui, j'ai fait quand même le caméraman pour vous, hein, parce que vous me reprochez souvent de pas trop zoomer dans les batailles. Alors là vous pourrez pas dire que vous avez pas vu ce que vous voulez. Ah, mais regarde-moi ces dégâts, quoi. Ouais. Tous, hein, ils ont tous fait des dégâts de fou à part le héros, mais ouais. Ils ont tous fait des dégâts conséquents, quoi. Non, là c'était une belle victoire. Ah, belle bataille. Qui a mis un coup au prospecteur de Barbe Grise. Bon, les sont finis. Hein. Ouais. Ils ont plus d'armée, ils ont plus rien. Là, ils ont leur grosse garnison qu'on va aller assaillir du coup au prochain épisode. Martin viendra me rejoindre. Ah, leur canon a fait mal quand même. Ouais, bah, c'est leur artillerie. Ouais. Après le reste. Ah, bon, j'ai pas des tueurs, c'est pas mal. Ah, 800 de thunes, c'est pas mal. Tout vous dire, dans 10 minutes sort l'extension sur la côte vampire pour vous dire de l'avance qu'on avait. Donc du coup on repartait pour une session de stream individuelle. Tout à fait. Alors bon, j'ai pas de thune pour les tueurs ce tour-ci. Toi t'as pris un niveau, c'est bien, je suis fier de toi. Je vais pas de plus de vie avec. Mais en fait j'ai pas recruté autant de tueurs que ça parce que
je peux pas recruter de héros ici malheureusement. Parce que cette armée là je vais la modifier un petit peu. Plus besoin d'armée anti-large. Tac. Sinon. On a ouvert la voie à Martin et juste aller. Bon, le de la panthère tu iras plus tard hein. Une fois qu'on aura fini le mauvais tour. Là. Ouais, je vais régénérer pendant 2 tours, je pense. On la fera, je pense, la bataille du Mouvotour. Ouais. Ouais, je vais régénérer pendant 2 tours. Je vais prendre des longues barbes de renom pour péter un petit peu. Voilà, 18 sur 20. Régénérer 2 tours, après on fonce au Mouvotour et on sera bon. Ouais, et puis... On va s'arrêter là, donc du coup, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé le déroulement de la bataille, si vous avez aimé l'épisode. Un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, du coup, moi je vous dis à tout de suite, mais bon, pour vous, ce sera du passé. pour le premier épisode du Let's Play sur la côte vampire. Et puis, du coup, avec Martin, on se revoit très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, et bien, à bientôt. Bye bye.